Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Vigor sur PlayStation 5. Sorti cette semaine enfin sur console et disponible déjà depuis 2019 et même en pré-alpha bêta depuis 2018 sur PC, nous avons enfin le jeu Escape from Tarkov-like, mixé avec du Hunt Showdown, enfin disponible sur console. Je vous fais une brève présentation du menu. Vous le voyez, il y a plusieurs modes de jeu, notamment surtout l'expédition qui est le point central, le point névralgique du jeu. Le but est simple, vous devez partir seul ou jusqu'en trio dans diverses maps pour aller récupérer des consommables pour votre abri que vous devez ensuite monter au fur et à mesure. Vous récupérerez ce que vous voyez en haut à droite de l'écran, des matériaux ou de la nourriture qui vous permettront en échange de créer des armes ou de récupérer certains lots pour augmenter votre personnage. Vous avez ensuite de quoi vous équiper, vous avez tout un panel d'armes et une flopée à découvrir. La petite clé à molette jaune précise que je peux les fabriquer parce que je dispose ou des pièces ou du plan contre une certaine somme de matériaux. Vous avez ensuite, comme vous pouvez le voir, pas mal d'armes. Franchement, beaucoup vous sont proposées avec bien entendu diverses couleurs par niveau de rareté. Du blanc au vert, bleu, violet et enfin du gold. Vous avez ensuite du coup votre refuge à monter qui opère en plusieurs niveaux et qui vous offrira plus de consommables au fur et à mesure du jeu. Les caisses qui sont à ouvrir sont ici. Tiens, j'en ai gardé exprès pour vous montrer au moins l'animation. Et voilà, que j'ai récupéré certains produits qui me permettront donc d'augmenter mon refuge. Vous le voyez par exemple que pour que je puisse créer un Magnum ou un M21 ou une PKM par exemple, vous le voyez, il me faut certains matériaux. Il me manque par exemple 55 de produits chimiques, donc ce ne sera pas pour de suite. Je vais continuer à augmenter le potager qui me permettra d'avoir un petit peu plus de nourriture. Vous avez ensuite le pass de combat, 50 levels de pass de combat, puis le mode de personnalisation. Pour ce qui est de récupérer des objets, vous avez donc du coup au fur et à mesure votre refuge qui augmente en qualité, en visuel, puis votre potager, ce que l'on appelle la jardinière, plusieurs niveaux de jardinière à récupérer par-ci et là, puis à l'intérieur pour récupérer également de la nourriture, et si vous en avez pas mal, vous pouvez aller jusqu'ici, envoyer la nourriture pour récupérer des caisses. Comme vous pouvez le voir, voilà, il me faudrait 10 000. Je préfère économiser et les envoyer toutes d'un coup parce qu'en 4 jours, ça m'étonnerait que je puisse arriver aux 10 000. Enfin voilà, je ne vais pas m'attarder davantage, rien ne vaut le gameplay. Je vous propose donc deux parties que j'ai faites en compagnie de mon confrère de toujours pour les jeux TPS et FPS, en compagnie de Roms, que je salue au passage. Je vous souhaite donc bon visionnage à tous, portez-vous bien tout le monde, et à ciao. Ah, j'en ai marre, je confonds avec Cyberpunk parce que pour ranger tes armes, c'est double triangle. Alors que là, double triangle, je fais juste que passer d'une arme à l'autre, quoi. Merde, pas droit, c'est ça. Je te suis, j'ai même pas regardé la map, je sais même pas ce qu'on fait. Encore. On a été brouillé. Ok, contact. Ça. Derrière le bateau. Ils vont vers les maisons, je suppose. Ouais, ils vont encore. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller au coffre, hein. Allez. Ah! En face, non? La maison? Laquelle? Ah, celle-là. Ah bon? Ah, il y a un sniper là-haut aussi. Ah oui, je le vois, le snipe. Moins un. Je l'ai touché une fois le snipe, je sais pas si il me met une tête.
Le snipe, il est carrément à l'opposé de nous sur la colline. Ouais, c'est ce que je vois. Mais en tout cas, celui dans la maison jaune, il est mort, hein, donc il y a son collègue qui est en train de le looter. Il y a deux morts. Ok, il est passé par la fenêtre de la maison blanche, rentre dans la maison jaune, sûrement. Ah oui, là, il y a à droite là. Il y a un mec là. Mort. Oh, j'ai failli tirer là. Faut vérifier derrière nous aussi, ça a l'air de puer. On fait tellement de bruit. Sur la gauche. Ouais, ça tire vers la gauche. Mais j'ai pas de visu. Oh, c'est game quoi, mais je fais des kills, Roms! Et des plutôt rapides en plus! Oh. C'est pour moi là, Ok. ouais. C'est pour moi, je me cache. Et je me suis fait une balle de 150. 150! Ouais. Je suis à découvert de par la gauche, mais. C'est bon, je le vois. Il y a Les des mecs, caisses de il y a la des mecs Maison à droite Blanche. Il est là. à gauche. Il y a un mec à gauche là. Pile derrière cette Non. caisse, il est. Je sais que c'est cruel ce que je vais dire, mais si tu peux refaire un peu de bruit. J'aimerais juste qu'il se décale à nouveau, il est foutu le pauvre. Ok. Oh. Où est-ce qu'il est? Il fait une pitié, je comprends pas. Il est là. Ok. Touché. Il s'est mis maintenant derrière la maison blanche, il est entre la maison blanche et jaune. Ah bon bah ça il se fait rush. Sur le toit. Sur le toit de cette maison, en fait. Sur le toit de cette maison? Ouais. Comment il a pu monter? Voilà. Bon j'arrive, hein, j'avance avec toi. Toujours sur la maison. Sur la maison. Juste pour le. Oh. Ah, je me suis fait enculer par des mecs. C'est la merde. Cache-toi, fais gaffe à la vitre. Je vais mettre un truc de mortier, hein, je pense. Vas-y. Mais fais-le bien. Je suis mort. J'avais nulle part où me cacher. T'aurais dû te mettre allongé. Ah, il y a là, tu vois. Ils sont ensemble, c'est sûr. Il arrive l'autre. Même endroit, je crois. Normalement, il peut pas arriver derrière toi.
Tu regardes derrière moi, s'il te plaît. Ouais. Mais je vois sa PM dépasser du mur. C'est ton vampire. Je me casse, il est où le point? Je t'ai mis le point. Voilà, il y a l'extract au bateau, c'est la même distance. C'est pas grave, j'y vais. Le mec appelle, il décroche lui-même, tu sais. Alors, faut que je me bute. Allez, full endurance. On va plus s'arrêter de courir. Ah, c'est bon, j'ai vu la flèche jaune. Putain de merde! Bon, bah, désolé de pas avoir pu mieux te Non, couvrir, mais hein. là, j'étais baisé en fait parce que Ouais, sur ta ouais. gauche il y avait l'autre qui avait une ligne, je rentrais dedans, l'autre il avait une ligne avec la fenêtre et je me mettais sur la droite, bah, il avait une ligne quand même. Donc. Et soit je réussissais à mettre la frappe et l'autre il décampait son toit là. Ouais, t'as raison. Est-ce qu'il y a du monde encore, comme t'es en téléspectateur? Ouais, je veux dire, tout seul. J'étais le dernier? Ouais, t'es tout seul. Bon bah Faut merde, être j'aurais pu droit. peut-être aller faire le largage et tout. Ah là là, je suis un con. T'as 20 secondes pour le péter, genre même en 20 secondes, le temps de tirer les deux balles rechargées. Genre, y a la. Je comprends pas la hitbox du pompe de loin. C'est impossible quoi. SVMPC. Il y en a un, il va Ouais. claquer l'assurance. Alors, il y a 1, 2, 3, 3 snipes. Ouais, il a tué que 5 exilés le sniper, hein, donc bon. Merde, bon, le coffre c'est foutu. La maison barricadée, elle y est pas? Elle est là, c'est le coffre. Elle est au coffre, la maison Franchement, barricadée? en vrai, faut aller au coffre. Hein. Tous les objectifs là-bas, les mecs, Ah bah ils bien ont une sûr, bataille. oui. Et du coup, il y a peut-être des mecs qui ont spawn à droite, au moins. Eh merde. Là, il n'y a pas. Ok, c'est bon, je les vois. C'est toi qui as tiré? Non, non, pas du tout. C'est eux qui stoppent.
train de passer deux là. S'il arrive dans ton dos, je te le vise. Il va arriver par la droite. Ouais. Je vois. Et derrière les deux, derrière les caisses là. Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. Attends, j'essaie de le décaler. Il se barre en... Il y a déjà un mort. Moins un. Il a une gamer. Attends, mais il est sur le, sur le, sur la cargaison, lui. C'est-à-dire. Mort. Il y a le sniper au fond là-bas. Il est en nord-ouest. Il vise. Il va sûrement se rapprocher. Ok, je le vois. Il est derrière la cargaison. Je fais le tour du bateau là. Je suis en train de faire complètement le tour. Il est toujours cargaison rouge. Ok, c'est bon, je le vois. Pas lui looter le mec, hein. Non, ok, il est en face de toi. C'est bon, je l'ai eu. Je sais pas si c'est lui, regarde s'il a fait le snipe. Ouais, ouais, c'est lui. Et là, en vrai, ce qu'il faut faire, c'est. Le détecteur signaux, ouais. Il est où? Ah, ok, il est là. Regardez si au moins il y a tout le monde qui est mort. Ah là là, je pense pas qu'il s'y attendait justement. Il a reculé de dos sans me regarder. Il reculait, il reculait, il reculait, il reculait jusqu'à arriver, mais à 1 mètre de moi. Et je lui ai tout mis dans le dos, le pauvre. Il m'avait vu en fait, et vu que j'ai vu que ça allait arriver vers derrière lui, je lui ai tiré dessus pour au moins il soit focus sur moi. Quand même. Votre position est. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas toi qui a fait ça? Non, contact, maison blanche. Y'a un mec, les gars, viens! Ok. Oh, il était là! Oh, il le visait et tout! Oh, le bâtard! Ok, 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 il est là-bas. La ligne téléphonique. Oh là là, tu l'as eu! Ouais, ouais, j'ai rafale avant qu'il passe. J'ai vu que tu l'avais mis en mal avant. Qu'est-ce qu'on peut poser là? Il y a encore un. Encore un truc. Hein. J'ai laissé ma gamer.
Ici, il y a un wagonneur. Merde, y'a pas un coffre à jouer au pire? On booste les. Largage effectué. On va juste attendre que le poste soit bien et puis voilà. Hein. En fait, je sais pas si elle est bien la hog par rapport à la gewehr en fait. Donc j'hésite, je vais quand même reprendre la gewehr. J'ai peur de pas savoir la gérer. Voir si c'est possible de d'améliorer le. Ok, non. On est solo. Allez, bah go. On a fait une maison barricadée, le coffre un peu. Et on a flingué tout le monde quoi. Quel game ma parole. Je sais pas si c'est possible de faire le coffre là. Pourquoi? Pourquoi ce serait pas possible? Tu sais, vu que dans le bateau il est bugué. Ah oui, ouais, remarque, après on a le temps maintenant. Je ne sais trop rien. Allez voir. J'espère que j'ai le temps de revenir. Ah, après peut-être qu'il est invisible. J'ai entendu des corbeaux fuir. Bah, ça doit être toi alors, parce que je peux pas être invisible au détecteur. Sauf s'il a mis un brouilleur sur lui, mais en gros t'aurais quand même mis le signal genre. T'es avec moi ou pas là? Non, je regarde si c'est possible de faire le. Mais non, c'est pas possible, il est vraiment bugué. J'arrive du coup. Je vais ressortir une MP5 et un SDI. J'espère qu'il a assuré. Vraiment qu'il a claqué une assurance. Ah, tu viens de trouver le gars qui avait le SVU et la MP5? Ouais. S'il a pas mis d'assurance, le pauvre. Ouf! Il y avait le. C'est bon. On peut y aller. Il y avait le. Quoi ça s'appelle? Merde, mais je suis un connard moi. Je nous mets complètement à l'opposé. On va passer par là-bas plutôt. Je disais. Que j'ai eu le QTE à faire. Maintenant, j'espère qu'il n'y a personne d'invisible qui nous attend, quoi. Ouais, non, normalement, non. Ah, mais les radiations sont pas arrivées, c'est juste que nous on souffre des radiations tant qu'on le tient en fait, le colis. Ouais, ils l'ont piégé. Ah, ouais, bonjour le piège, quoi. Du coup, tu crèves deux fois plus vite des radiations si t'as le colis plus les radiations. Bah, tu m'étonnes. Quelle horreur! Bien wesh. C'est une belle partie celle-là. Elle était très belle, hein. Très belle partie, ouais. Ouais, pas mal. Toi qui voulais une partie avec des kills dans les deux camps. T'en as fait combien? J'en ai fait 3. Bien, beau gosse.